Bienvenue au bulletin d'information communautaire du vendredi 2 septembre 2022 sur Diversity TV. Journée de la culture en Alberta, Calgary célèbre la diversité culturelle à travers l'art, la musique, le sport et bien d'autres événements pour tous. Découvrez la programmation de cette fête de la culture sur www.calgary.ca. Des gens vont jusqu'en Colombie-Britannique pour profiter de ceci, le premier en son genre à ouvrir en Alberta. Mesdames et messieurs, Diversity Travels vous amène aujourd'hui au premier et unique Alpine Coaster d'Alberta. Vous vous faufilerez entre les pistes de ski et les sentiers forestiers sur le tout nouveau Canyon Alpine Coaster qui atteint une longueur de 1300 mètres avec une chute verticale de 440 pieds. Pour d'autres expériences intéressantes, visitez le site internet www.diversitymar.ca. Ce vendredi 2 septembre 2022, Canavois distribue fruits et légumes frais. Si vous souhaitez récupérer un sac gratuit ou vous avez à cœur de faire du bénévolat, rendez-vous sur www.canavois.org. Rejoignez Africa Center le samedi 10 septembre 2022 pour son 14e gala annuel Africa Day. Visitez le site internet www.africacenter.ca pour plus d'informations ou tout simplement allez sur Eventbrite pour acheter vos billets. La conférence intitulée « Becoming the Future, I'm Ready » arrive à grands pas. Ce sera le samedi 10 septembre 2022 de 10h à 16h à l'hôtel Blackfoot, situé au 10940 Blackfoot Trail, sud-est Calgary. Les tickets d'entrée se vendent à 50$ l'unité. Si intéressé, bien vouloir contacter Grace Aubin au 403-608-2836 ou par courriel à providenceguide7@gmail.com. Saisissez l'opportunité de devenir sponsor de l'événement, de faire de la publicité ou bien de réserver votre stand d'exposition. BCW in Action vous invite à Prairie Expo. Prairie Expo, c'est un événement d'envergure qui mérite votre participation. Si vous êtes entrepreneur et souhaitez développer votre entreprise, si vous avez une idée d'entreprise intéressante, Prairie Expo vous accueille à bras ouverts. Du 30 septembre au 1er octobre 2022, Prairie Expo réunira des experts en finance, des investisseurs, des experts en affaires. Au menu de cette rencontre 100% business, concours de pitch, réseautage et une soirée de gala. Merci de consigner cette date dans votre agenda. Le 29 août 2022, au conseil municipal d'Edmonton, le maire Amajit Soyi a amené la ville d'Edmonton à s'engager à soutenir la Déclaration internationale des peuples d'ascendance africaine de l'ONU. Cet engagement fait suite à l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2013 de la résolution 68 par laquelle elle a proclamé la période de 2015 à 2024 comme décennie internationale des personnes d'ascendance africaine avec pour thème « Peuple d'ascendance africaine, reconnaissance, justice et développement ». Le maire Amajit Soyi a lu la proclamation et promis des actions pour lutter contre le racisme devant les membres de la communauté noire d'Edmonton. Il a promis un plan d'action antiraciste pour aider à résoudre le problème de racisme à Edmonton, un problème auquel lui-même il a fait face lors de sa campagne pour devenir maire d'Edmonton. Le plan d'action a été réaffirmé par la directrice municipale adjointe Jennifer Flaman. Elle est la seule personne issue de la communauté multiculturelle à siéger au plus haut niveau de l'administration de la ville, à savoir l'équipe de direction.
Ils sont jeunes, dynamiques, créatifs et ont un avenir prometteur dans les affaires, mais ils ont besoin d'un coup de main. Un coup de main que le Canadian Imperial Advantage a fourni en réunissant 25 jeunes intelligents pour développer leur entreprise et les aider à passer à l'étape suivante. Il s'agissait de la deuxième édition du programme d'entrepreneuriat pour les jeunes de Canadian Imperial Advantage. Elle s'est déroulée au cours des 12 dernières semaines et s'est terminée par un intéressant concours le 27 août 2022 avec la présentation d'entreprises par 11 jeunes. Pour d'autres histoires communautaires inspirantes et passionnantes, veuillez consulter le site internet www.diversitymag.ca. C'est tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis. Cette édition a été sponsorisée par Rezy Plumbing and Heating, qui fait des offres fantastiques pour le chauffe-eau et les appareils de chauffage pour nous permettre de vous apporter plus d'histoires inédites de la communauté multiculturelle. Soutenez Diversity TV en devenant membre. Profitez des offres spéciales réservées aux membres. Visitez notre site internet www.diversitymag.ca.